5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des deux EAP et décollage via 244. Est nominal. Vous voulez paramètres à bord sont normaux. C'est d'une puissance. Très franchement. Tous les paramètres à bord sont normaux. Grand moment. Vous entendez le DDO nous annoncer que tout est normal à bord. Le vol est donc bien engagé. C'est absolument impressionnant. Quelques secondes après la lumière et les paramètres propulsifs sont conformes à l'attendu. Le décollage, on ressent effectivement la vibration et on entend ce son qui. Ariane 5 ES qui secoue l'atmosphère ici à tout camp. Donc voilà, l'Ariane 5 avec 4 satellites pour Galileo est actuellement en those boosters are propelling us doing all the work right now. On la suit parfaitement, le ciel est altitude 51 km, tous les paramètres à bord sont normaux. Tout est normal et on va se séparer des premiers éléments. 2 minutes 23 de travail pour les accélérateurs à poudre. Ces étages d'accélération vont être séparés. Voilà qui est fait. On vient de se séparation des étages d'accélération à poudre. 277 tonnes par deux. Imaginez, il n'y a pas encore 3 minutes de vol et il y a à peine un quart de l'Ariane 5 initiale qui est encore en vol en termes de masse. La poussée au décollage. 13 000 kN. Imaginez, cela équivaut à la puissance de 11 Airbus A380. On est toujours dans la recherche absolue de. Fin du rattrapage suite à la séparation des étages d'accélération à poudre. Des applaudissements mérités pour cette Ariane 5. Je disais donc qu'on va alléger une fois de plus et ce sera la coiffe cette fois-ci. Passer les 100 km d'altitude, elle n'est plus utile. Et cette coiffe, eh bien, tout simplement, on va s'en débarrasser. Paramètres propulsifs sont conformes à l'attendu. Tout se déroule de bonne manière, vous l'entendez. Nous attendons l'annonce de la séparation